se priver de quelque chose qu'on aime bien. Les bonbons qu'on a reçus de l'école, on les mettra dans une boîte et à Pâques, on pourra les manger. Durant les carèmes, au goûter, je jeûnerai des biscuits. Je remplacerai les biscuits par le pain. J'essaierai aussi de ne pas mettre de sucre dans mon yaourt nature. Le jeûne, c'est quand on évite de manger certaines choses comme les bonbons ou les gâteaux afin de garder l'argent pour les associations ou les personnes qui en ont vraiment besoin. C'est aussi, par exemple, éviter de passer trop de temps sur les écrans au lieu de rendre des services. Bah, jeûner, on peut moins manger pour donner plus à ceux qui en ont besoin. Ou par exemple, moi, j'ai donné un peu de mon argent de poche à l'école pour donner l'argent de poche à l'Ukraine. Le jeûne, c'est savoir se priver de certaines choses pour mieux se libérer. Le jeûne, c'est pendant le carême, on mange moins pour savoir se passer de la nourriture. Le jeûne, c'est quand on se prive de quelque chose qui n'est pas nécessaire au quotidien, comme la nourriture, mais on peut quand même en manger, mais pas beaucoup. Ou alors les jeux vidéo. Jeûner, c'est se priver volontairement de quelque chose que l'on aime bien. L'effort que l'on fait de se priver peut être ensuite offert à Jésus, et Jésus de son côté peut le redistribuer en grâce à une autre personne qui est en besoin. Par ce cadeau offert, Jésus peut soulager bien des maux, bien des souffrances. Le jeûne fait partie des trois exercices spirituels du temps de carême. Le jeûne, la prière, l'aumône. Mais le jeûne particulièrement, c'est cette capacité et cet effort de nous dépouiller de nous-mêmes, de tout ce qui nous remplit, pour que l'amour du Seigneur à travers la prière nous remplisse, nous transforme, nous répare, nous rétablisse et nous envoie. La loi du jeûne s'applique particulièrement le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais le jeûne doit traverser tout le carême et chacun pourra décider de ce qui l'encombre et de ce qui peut l'aider à tenir son cœur éveillé, son cœur en veille pour rencontrer le Seigneur et laisser l'Esprit du Seigneur travailler en lui. Alors, j'exhorte chacun à trouver le moyen, l'effort, le petit effort à faire pour que ce carême soit un temps fructueux. Je vous souhaite tous un bon carême.